Si tu crois que ton Dieu est capable de faire de grandes choses, est-ce que tu peux pousser un cri de triomphe là où tu es? Alléluia! Hey! Infiniment abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est puissant, ce qui a dit oui, il le fera. Bonjour, 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 bonjour à tous et bienvenue à ce spectacle de Noël de Gospel Vie 2022. On est vraiment, vraiment bénis, heureux de vous voir ce soir dans cette salle. On va passer un très, très, très bon moment ensemble. On aimerait que vous preniez votre place, asseyez-vous confortablement. Ça va être un temps extraordinaire. Et aussi, juste de prendre le temps de vérifier si votre téléphone est ouvert. On veut fermer notre cellulaire afin de maximiser la soirée. Alors, s'il y a des gens qui nous suivent en ligne, on veut aussi vous saluer, les amis en ligne. Merci de nous accueillir chez vous. On va passer ensemble une soirée vraiment géniale. Maintenant, on aimerait aujourd'hui vous annoncer une pièce de théâtre musical qu'on a préparée pour vous, les acteurs de l'Église Gospel. Comme si vous avez hâte justement à cette pièce ce soir, je vais voir les mains se lever. Oui, excellent! Waouh, c'est génial! Mais avant cela, j'aimerais juste vous annoncer qu'on a aussi une soirée pour la fin de l'année, le 31 décembre qui s'en vient. À 10h le soir, on a une soirée bye-bye. On aimerait passer, traverser la nouvelle année ensemble. Ça va être un temps extraordinaire, on vous invite à y participer. Alors ça se passe le 31 décembre à 10h le soir, les portes vont s'ouvrir dès 9h le soir. Il y aura une belle programmation, un repas, des témoignages, des chants de louange. Ça va être un beau rendez-vous à ne pas manquer. Donc on se revoit déjà le 31 décembre, vous êtes tous invités à cela. Alors sans plus tarder, on va laissez la place à cette belle programmation, cette pièce de théâtre intitulée « La poursuite du cœur » qui va être animée par les acteurs de Gospel Vie. Alors, je vais laisser la place tout de suite à l'équipe de musique qui va commencer. On se retrouve tout à l'heure. Mmh.
Désirée, ouais. Si je ferais un chandail à mon cousin, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est pas une mauvaise idée. Où tu vas le prendre? Je sais pas encore. Je pense à l'aubainerie ou, tu sais, le magasin au bout de la rue, là. Super aubaine, je pense. Puis, même Village des Valeurs aussi. Mais non, voyons, pas pour un cadeau de Noël. Va plutôt dans une boutique chic comme chez Zara, chez Lacoste ou tout simplement va à la baie. Mais non, tu sais très bien que si je rentre dans ces magasins, ça va me coûter une fortune. Oui, mais ça lui ferait tellement plaisir. Bon, je vais y penser. Mm-hmm. Pensez bien, Candide. Tu sais, à l'aubainerie, il y a de belles affaires aussi. Mm-hmm. Et puis, ça correspond aussi à ton budget. Ouais. OK. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas offrir à Gloria? À Gloria? Je n'avais pas l'intention de lui offrir un cadeau. Ah bon? Ouais. Mais elle va t'en faire un, elle me l'a dit. T'es sérieuse? Oh, wow! Mais oui, une chance que je te l'ai dit, hein. Te connaissant, t'aurais été toute mal à l'aise de recevoir un cadeau d'elle sans même lui en offrir un. En tout cas, ma fille, des situations comme ça, là, c'est toujours embarrassant. Ma chère Candide, t'es pas obligée de faire des cadeaux à tout le monde. Et puis, surtout en ces temps difficiles d'inflation, si on commence à faire ça, là, on va plus s'en sortir. Oui, mais grand-maman, c'est comme ça qu'on garde ses amis, avec de petites attentions comme ça. Justement, Gloria m'a dit qu'elle aimerait recevoir un nouveau sac en cuir là, pour aller avec son nouvel ensemble. Si tu lui achetais ça! En cuir? Mais c'est beaucoup trop cher pour mon budget, voyons. Ah bon? Ben, tu dirais pas ça si tu verrais ce qu'elle est acheté. Mais ma pauvre, on dirait que t'as pas beaucoup d'argent. Mais Désirée, tu le sais, j'ai mon école à temps plein, mon travail à temps partiel, c'est maudite inflation aussi, là. Oui, disons qu'en ce moment, l'argent ne coule pas à flot pour moi. Ouais. J'avoue que c'est pas évident de pas avoir un sou durant le temps des fêtes. Mais attends une minute. Pourquoi t'en prendrais pas 200 ou 300 $ pour faire tes cadeaux? Moi, je trouve que c'est un bel investissement. 200 ou 300 $? Mais t'es tombée sur la tête, Désirée. Je veux pas m'endetter et surtout pas pour des cadeaux de Noël. Non, merci. Oui, mais c'est vite fait rembourser, tu verras. Désirée, tes conseils sont vraiment pas très sages. Pourquoi? S'endetter pour des cadeaux
à son âge, puis tu sais, dans notre famille, on a toujours eu horreur des dettes et ça nous a toujours gardés en bonne santé. OK, là, mais t'as juste à utiliser ta marge de crédit. C'est pas une vraie dette, ça. Désirée, je vais pas péter ta petite bulle de petite solution, là, mais j'ai pas de carte de crédit. Quoi? Pas de carte de crédit? Mais tout le monde en a au moins une de nos jours. Non, ma fille, tu peux pas fonctionner sans ça, là. Je trouve ça tellement compliqué d'offrir des cadeaux cette année. Non, non, non. Donne-toi pas des raisons, là. C'est parce que tu te donnes pas les moyens de te faciliter la vie. C'est normal que tu sois toujours serrée si t'as pas un sou, tu sais. Mais si t'empruntes ou t'achètes à crédit, tu y verras, ça ira mieux. Ça donne même des ailes. Ouais, des ailes pour fuir. Bon, justement, moi, je dois quitter. Je vais aller me changer parce que je sors avec des amis ce soir. Mais je te trouve très bien comme ça. Quoi? Avec ces vieux trucs-là? Non, non, non. Tu devrais me voir quand je sors. J'ai même renouvelé ma garde-robe au complet pour le temps des fêtes. Bon, je file. Au revoir, grand-maman. Au revoir, Désirée. Bye. Eh ben, ton ami, là, c'est vraiment pas la sagesse incarnée, hein? Ouais, je la trouve un peu matérialiste parfois. Un peu? T'es vraiment donc bien généreuse. Mais, tu sais, grand-mère, elle a quand même raison. Si j'avais plus d'argent, je pourrais faire de plus beaux cadeaux à plus de gens. Mais c'est juste que c'est pas le cas. Ma pauvre petite fille. Tu m'as l'air vraiment tourmentée. Mais c'est parce que j'aime ça faire des cadeaux. Mais je trouve que c'est un vrai casse-tête cette année. Puis, j'avais pas l'intention d'offrir quoi que ce soit à Gloria. Puis je me demande vraiment c'était quoi le but à Désirée de m'en avoir parlé. Mais t'as vraiment mis un fardeau sur tes épaules. Ce qui devait être une belle fête est devenu une source de soucis. Mais dans tout ça, est-ce qu'on pense vraiment à Jésus? Mais pourquoi tu me parles de Jésus? C'est quoi le rapport avec lui et les cadeaux? Mais il me semble que c'est grâce à Jésus que Noël existe, non? Tu sais, ma belle Candide, Jésus n'est pas venu sur la terre pour instaurer une fête. Il est venu pour nous faire découvrir l'amour de Dieu. Je sais, grand-maman. Tu sais, ma chérie, nos fardeaux et nos fautes nous empêchent de découvrir cet amour. Il y a donc un fossé entre Dieu et nous. Et Jésus, lui, il est venu comme un pont entre les deux. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. La tâche originelle et de son père arrêter le cours. Le monde grand-maman, tu m'en as déjà beaucoup parlé. Tu veux vraiment faire plaisir à tes amis? Tu te demandes quoi leur offrir à ton cousin? Et c'est bien généreux de ta part.
Mais dans tout cela, qu'offres-tu à Jésus? Mais j'y pense à Jésus. Tu sais, je t'accompagne dimanche prochain et même le soir de Noël. T'es pas contente? Si, je suis contente, mais... Mais quoi? Je te parle pas d'aller à l'église. Je te parle d'une personne qui veut t'offrir un cadeau. Un cadeau? Oui, l'amour qui est pour l'éternité. Oh. Écoute, grand-maman, je suis jeune, puis la vie que je mène en ce moment me suffit largement. J'ai pas trop envie d'inclure Jésus dans mes projets. J'espère que tu comprends ça. Bon, si tu veux bien, j'aimerais terminer ma liste. Merci. OK. Écoute, grand-maman, je suis vraiment désolée. Toute cette pression... Elle m'a monté à la tête et je sais que tu essayais juste de m'aider. Mm-hmm. Donc, pour me faire pardonner, qu'est-ce que tu aimerais recevoir à Noël? Oh, ben, de l'huile pour le bain, tiens. Ah, bonne idée! Mais oui, à la rose, s'il te plaît. À la rose, parfait. Mm-hmm. Mais dis-moi, quelle heure est-il? 9h30. Déjà? Oh, j'avais promis à mon médecin de prendre mes médicaments à 8h. Puis de me coucher tous les soirs à 9 heures. Mais t'es pas obligée de lui dire, grand-maman. Mais je sais bien, je veux pas lui dire des mentries. Puis tu sais, je tiens à respecter ce qu'il me dit de faire. Puis c'est quand on vieillit, hein, c'est le ressort qui nous est réservé. Hein, mais heureusement qu'aux yeux du Seigneur, je suis une toute jeune fille. Bonne nuit, grand-maman. Bonne nuit, ma chérie. Hey, tu ne te couches pas trop tard. Hein? Tu sais que Christiane vient te chercher demain matin. Oui, oui, t'en fais pas. Je n'oublie pas. Je termine ça et... Oh, okay. Je commence à être fatiguée. Cette chère grand-maman... On dirait que Jésus est tellement important pour elle, c'est fou. Mais elle a quand même raison. J'ai pas pensé à lui. Après tout, c'est sa fête, hein? Eh oh, Jésus, tu m'entends? Est-ce que tu es là? Écoute. En tout cas, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Donc, j'espère que tu vas comprendre ce que j'essaie de te dire. Tu sais, je t'aime bien, hein? Je pense des fois à toi, pas tout le temps. Je sais que t'es mort à la croix, mais je sais pas si je suis prête à ce que toi et moi, on soit... des amis... vite, du moins. Tu sais, j'ai tellement de projets en tête. J'ai mes amis, j'ai mes études. Je suis pas une méchante fille, tu sais. J'ai des bonnes valeurs, je suis sérieuse dans ce que je fais. J'ai quelques petits défauts. Je fais des petites gaffes droite à gauche, oui, ça arrive. Mais rien de trop grave. Je suis sûre que t'en as vu des pires que moi. C'est sûr. Mais Jésus, j'aimerais que te faire rentrer dans mon univers et tu vas comprendre ce que je veux dire. Hey. On ne vit qu'une seule fois, bien que je t'emmène. On ne vit qu'une seule fois, plus de temps à perdre. Je suis en mode YOLO, YOLO, eh. En mode YOLO, YOLO, eh. En mode YOLO, YOLO, eh. Je suis jeune et ambitieuse, mes rêves pleins la tête, par moments, oui, capricieuse. Mais
J'apprécie faire la fête avec mon verre de mimosa. Cette envie de bouger à Ibiza, faire les folles avec les copines sur Insta Magazine, faire plaisir à la maman, rencontrer mon prince charmant sur cette terre, laisser une trace, faire constamment de l'amour là. On ne vit qu'une seule fois, bien que je t'emmène. On ne vit qu'une seule fois, plus de temps à perdre. Je suis en mode YOLO YOLO, eh. YOLO YOLO, eh. Je suis en mode YOLO YOLO, eh. Mm, you only live once. On ne vit qu'une seule fois. YOLO YOLO, eh. En mode YOLO YOLO, eh. En mode YOLO YOLO, eh. YOLO YOLO YOLO, eh. You only live once. On ne vit qu'une seule fois. Je suis jeune et ambitieuse, yeah. Plus de temps à perdre. YOLO, YOLO, hey, YOLO. C'est comme ça qu'on vit la vie, Jésus. YOLO, YOLO. Oh, ma liste, c'est vrai. Bon, écoute. Je sais que j'ai pas trop pensé à toi pour ce Noël et grand-maman me dit toujours que je devrais penser à toi, que ça serait la plus belle chose que je puisse te donner, c'est ma confiance. Mais je suis pas sûre, OK? Donc, j'espère que tu comprends ça. Voilà. Bon, Jésus, je veux vraiment finir ma liste ce soir, donc il faut que je te laisse. Donc, merci de m'avoir écouté, puis on se reparle, OK? Si t'es là. En tout cas, bye! Bon, il faut absolument que je termine cette liste parce que mon amie Christiane vient me chercher demain matin à 11h15. Donc, j'étais rendue à, pour ma sœur, un foulard va faire l'affaire. Ah, tiens. Evelyne m'avait offert un cadeau à mon anniversaire au printemps dernier. Bof. Je pense qu'une carte cadeau lui fera l'affaire, là. Ah, les cadeaux. Il faut absolument que je termine cette liste. Gloria, que j'ai pas encore eu. J'ai pas mis encore son nom sur la liste. Mais qu'est-ce que je pourrais lui donner? Mais qu'est-ce que je pourrais lui donner? Bon Dieu divin. Ça a l'air.
papier. Bonsoir tout le monde. Merci de m'aimer. Merci de m'apprécier. Merci d'être venu en si grand nombre pour venir m'admirer. Merci de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci, merci. J'ai une surprise pour vous. J'ai apporté des autographes. Allez, prenez-les. Allez, hop, 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 hop. Bonsoir, Candide. C'est moi. Gloria, qu'est-ce que tu fais ici? Désirée m'a dit que... Je ne suis pas Gloria. Tu ne m'as pas reconnue. C'est moi, la renommée. Mais tu ressembles beaucoup à Gloria. M'as-tu mise sur ta liste, cher ami? J'ai quoi? Tu dois me mettre sur ta liste. Mais moi, en tête de ta liste, offre-moi en cadeau ta cœur et ta vie, cher ami. Et en échange, je ferai de toi une femme qu'on admire et qu'on cherche à imiter. Tu as beaucoup de talent, n'est-ce pas? J'en ai quelques-uns, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es trop modeste. Tu as des tonnes de talents. Pour de vrai? Eh oui, tu verras avec un peu de temps. Nous les exploiterons au maximum. Quoi? Je te ferai rencontrer des gens influents. Je te ferai aussi rencontrer la jet set d'Hollywood. Hollywood! Partout sur la planète, on t'acclamera et on t'exaltera. Pour de vrai, wow! Qu'en penses-tu, Jérémy? Mais je dis oui! Ah oui? Alors viens. On te reconnaîtra dans les rues! Dans les rues? On parlera de toi dans tous les magazines, à la radio, à la télé et sur tous les blogs d'Internet. Ton prénom sera celui qu'on donnera à des centaines de milliers de petites filles. Vois ce que moi, la renommée, je peux t'offrir si tu me donnes ta vie. Est-ce que j'aurai beaucoup d'amis? Des amis? Allez, tu battras tous les records de Facebook. Wow! Ton carnet d'adresses n'aura pas assez de mémoire pour y contenir tous les noms. Oh, wow! Hommes et femmes... se jetteront à tes pieds pour y passer un peu de temps en ta compagnie. Wow! Oui! Wow! En ma compagnie? Non, Candide, ne donne pas ta vie à la renommée. Elle te raconte des mensonges. Ne l'écoute pas! Regarde-moi, n'ai-je pas l'air heureuse? Oui. Jésus, lui, est venu sur cette terre pour que tu aies une véritable relation avec l'être le plus puissant de l'univers, Dieu, notre Dieu. Candide, ma belle Candide, donne-moi ta vie. Donne ta vie à la renommée et je te rendrai célèbre. Célèbre! Oh! Oh! Wow! Oh, c'est magnifique! Oh, 50 000! Oh. 100 000! Ouais! Oh, 2 millions! Oh. Wow! Bonjour, ma chérie. Désirée? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas sortir ce soir. Allons, allons. Je ne suis pas désirée. Je suis la richesse. Admire-moi. Ah oui. Comme ça, tu ne m'as pas mis en tête de ta liste, n'est-ce pas? Eh bien, tu as eu tort. Fais-moi donc le plus beau cadeau que tu pourrais faire à un être cher. Donne-moi ta vie. Consacre-toi à moi et je t'enrichirai. Comment tu peux m'enrichir? Moi, la richesse, j'offre tout ce que l'argent peut procurer. Tu ne seras plus jamais dans le besoin. Tu posséderas les plus beaux vêtements. Wow! T'aimes ça, hein? Oui. Tu posséderas les plus beaux bijoux, les plus précieux. Magnifique.
Wow. Oh, la retraite à 30 ans, ça t'intéresse, non? Bien sûr que oui. Regarde-les, ils travaillent dur pendant un certain temps. Mais après quoi? Eh bien, pour toi, la vie sera d'éternelles vacances. Tout ce que tu auras à faire, c'est compter tout ton argent qui rentrera dans tous tes comptes bancaires partout dans le monde! Oui! Oh. Partout dans le monde! Yes, come on! Ne te laisse pas influencer par la richesse, mon enfant. Car à quoi bon gagner le monde entier si tu perds ton âme? Tu sais, le bien le plus précieux est d'être membre de la famille de Dieu. Et Jésus, il a tout payé pour ça. Ne l'écoute pas, elle radote. Mais regarde, regarde tout cet argent. Pense à tout ce que tu voudrais te procurer avec. La renommée t'a dit que, grâce à elle, tu aurais beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Oui, elle l'a dit. Eh bien, elle t'a menti. Quoi? Regarde, viens ici. C'est avec beaucoup d'argent qu'on se fait beaucoup d'amis et surtout qu'on les garde après. Jésus lui veut que tu aies une relation avec lui et il veut t'établir lui-même à son père. Et ce cadeau ne s'achète pas avec de l'argent. Tais-toi! Viens, viens. Regarde ma chère Candide. Mets-moi tout en haut de ta liste. Donne ta vie à la richesse et tu connaîtras le bonheur, je te le jure! Wow! Johnny, toi aussi? Il ne m'appelle pas Johnny. Wow. Il m'appelle Plaisir. Ah. Viens ici. Tu dois mettre plaisir au tout début de ta liste. Sinon, tu ne seras jamais heureuse. Mais renommée et richesse m'ont dit que... Renommée et richesse? Elles ne savent pas de quoi qu'elles parlent. L'argent ne fait pas le bonheur, tu le sais. Tu as déjà vu quelqu'un de riche et heureux, toi, dans la vie? Hey, bien! Ne scatte pas ta tête à essayer de chercher, Candide. Laisse-moi te dire quelque chose. La renommée t'a sûrement dit que grâce à toute la renommée qu'elle allait te donner, tu allais avoir beaucoup d'amis. C'est la vérité. C'est peut-être vrai. Ce qu'elle ne t'a pas dit, c'est tout le travail qui se cache derrière. Et la richesse de son côté t'a sûrement dit que tout l'argent qu'elle allait te donner, tu allais avoir beaucoup d'amis. Évidemment. C'est peut-être vrai aussi. Ce qu'elle ne t'a pas dit non plus, c'est que vous que tu allais être malheureuse, tes amis, tu allais toutes les perdre. Aïe, caramba! Il n'avait pas pensé à tout cela, moi! Aïe, 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 aïe! Yes, c'est pour ça que je te l'ai dit. Oh. Pense à Jésus, mon enfant. Tu sais, dans sa famille, il y a de la joie et la véritable allégresse. Jésus, il est venu parce qu'il t'aime tant. Et il voudrait te faire découvrir la véritable allégresse, celle qui est impérissable. C'est qui celle-là? Je ne la connais pas. C'est ma grand-mère. Grand-mère? Je suis désolé, mais les grand-mères, plaisir, je n'aime pas ça. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de radoter, faire la morale, rabat-joie. Moi, je n'aime pas ça. Mais toi, Candide, écoute-moi. Donne-moi ta vie. Tu seras toujours heureuse. Ah, ta vie sera constamment agréable. Et tes amis, tu vas toujours les garder. Ah oui? Toujours, toujours les garder. Est-ce que j'aurai toujours du plaisir? Toujours! Ta vie sera comme une immense parée, une éternelle fiesta! Aïe, 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 aïe! Wouh! Wouh! Hey! Yeah! Wouh! Caramba, je pourrais danser toute la nuit! Hey! Hey! Wouh! Bien quand même.
Je pourrais te donner quelques petits cours de salsa. Wow. Mais merci. Tout est débrouillé quand même assez bien. Continue un petit peu. Tu dois aller à gauche. Ok. À droite. Wow. En arrière. En avant. Ah. Tu entends ça? Je ne connais pas cette chanson. La musique a changé. Mais ça fait tout bien, c'est apaisant. Ah, quelle musique. J'aime ça. Je dois partir. Manuel, mais je ne t'attendais pas ici ce soir avec les autres. Je me présente, je suis la connaissance. Mais non, tu es Manuel, voyons. Mais non, ma chère, allez, assieds-toi ici. Comme je disais, je suis la connaissance. Oh. Et je viens t'exhorter à me donner ta vie. Écris mon nom. La connaissance. Au tout début de ta liste, donne-moi ta vie, cher Candide, et ce que je te donnerai en retour n'a pas de prix. On dirait que tout le monde ici veut que je lui donne ma vie. Oh, je sais plus quoi faire. Laisse la renommée, la richesse et le plaisir de côté. Ils sont insensés. Moi, la connaissance, ce que j'ai à t'offrir est quelque chose de plus grand encore. Plus grand? Ce que je t'offre, cher Candide, ce sont toutes les connaissances de ce monde. Wow. Tu auras de la puissance, de la sagesse. Les philosophes seront confus devant tes raisonnements. Wow. Des savants de partout dans le monde viendront te consulter. Me consulter? Oh. Des écrivains trouveront leur inspiration auprès de toi. Wow. Des juges te demanderont conseil. Comme c'est flatteur. Avant de prononcer leur jugement. Wow. Et les politiciens viendront te demander ton opinion. Mon opinion? Oui, madame. Wow, 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 tu trouves pas qu'il exagère là? La sagesse et la gloire sont des valeurs qui s'obtiennent gratuitement en Jésus. Rappelle-toi de l'histoire de Salomon. Le message de l'évangile est tellement facile à comprendre. Mais qui êtes-vous? Place ta confiance en Jésus, Candide. Ah, ce sont des sottises. Ne l'écoute pas. Écoute-moi plutôt, Candide. Donne-moi ta vie. Donne ta vie à la connaissance. Tu peux avoir la renommée et être aussi stupide qu'une autruche. La richesse ne peut t'acheter la connaissance. Et le plaisir, ah, le plaisir t'entraînera dans les vices les plus bas. T'as de mensonges. Mais moi, Candide, je t'élèverai. Wow. Oh, wow, c'est haut. Je ferai de toi wow! une personne importante. J'ai le diplôme, oui! Ouais! Grâce à ton esprit supérieur. Wow. Tu as beaucoup de potentiel, Candide. Tu promets. Donne-moi ta vie et je te perfectionnerai. Donne ta vie à la connaissance. Wow. Mon diplôme! Mais quel discours effrayant! Ne te laisse pas influencer, ma chère Candide. Justin? Mais on dirait que tous mes amis se sont rencontrés ici ce soir. Mais voyons. Tu ne m'as pas reconnu? C'est moi. Bonnes heures.
As-tu vu comme ils sont égoïstes? Renommée, richesse, plaisir et connaissance ne pensent qu'à t'offrir des choses qui ne satisfont que la chair. Mais n'apaise pas l'esprit. Mais moi, je pense à ton âme. Je suppose que toi aussi, tu aimerais que moi, Candide, je te mette tout en haut de ma liste. Mais qu'est-ce que t'as à m'offrir en échange? C'est vrai. Je veux que tu te donnes à moi, que tu me mettes en tête de ta liste. Mais moi, je t'offre un but dans la vie. Un but noble. Moi, bonnes œuvres. Je passe mes journées à aider les pauvres et les malheureux. Je console les affligés. Je réconforte les orphelins. Je partage de mon temps, de mes talents et de mes biens. C'est je vrai pense que... aux autres, moi. C'est vrai que tu sembles différent des autres. Ne l'écoute pas, ma fille. Lui aussi te raconte des mensonges. Je t'offre des récompenses également. Donne-moi ta vie et en échange, tu auras le respect des autres, la satisfaction personnelle. Les gens t'aimeront parce que tu es bonne, charitable, désintéressée, dévouée et généreuse. Tu seras comme une mère pour une centaine de personnes. Le monde a besoin de toi. Et il te la rendra. Quel bonheur! Le vrai bonheur et la paix de l'âme qui dure s'en tiennent gratuitement en Jésus. Ce n'est pas en essayant d'impressionner des hommes que tu trouveras la paix de l'âme. Non, 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 tu t'assois et tu restes tranquille là. La vraie joie, c'est de savoir qu'on est bon avec les autres, qu'il n'y a pas de plus grand bonheur ou de plus grande satisfaction de la vie. Grand-mère. Et ne touche pas à ma grand-mère. Non, 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 non! Elle n'a pas cessé de te parler de Jésus. Donne ta vie à la richesse. Non, 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 non! Elle ne connaît rien à la vie. Laisse Dieu le côté. Donne ta vie à la connaissance. La connaissance! Non, non, non! Non, non, taisez-vous! Laissez-moi! Non, 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 non! Pense à moi, la renommée! Non, 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 non! Fais quelque chose de bien avec ta vie. Donne ta vie aux bonnes œuvres. Donne-moi ta vie. Non, 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 non. Mais n'écoutez pas. Ce qui compte, c'est plaisir. Donne ta vie à plaisir. Non, 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 laissez-moi. Thank you.
Candide, non, Candide, non. Réveille-toi, réveille-toi. Oh. Oh là là. Grand-maman. Oui. Tu es revenue. Mais oui. Mais ils sont passés où, eux? Mais de qui tu parles? Mais Gloria, Désiré, Johnny, Manuel et Justin. Oh, mais une drôle de coïncidence parce qu'ils sont tous passés ce matin. Puis Désiré, elle est partie il y a à peine 20 minutes. J'ai rêvé d'eux. C'était un drôle de rêve. Oh, oh mais il est quelle heure? Ben, il est 11 heures, là. Mais ça doit être le sirop d'érable que tu as mis sur ton gâteau au chocolat. Tu sais que tu as l'estomac fragile, hein? Non, grand-maman, c'est pas ça. Je vais t'expliquer. Il y avait la renommée. Tu étais dans mon rêve. J'y étais? Waouh, dois-je être honorée? Qu'est-ce que je faisais? Tu parlais de Jésus. Fidèle à moi-même. Même dans mes rêves. Dans tes rêves. Mais personne ne t'écoutait. Oh, c'est moins intéressant, ça. Même moi, je ne t'écoutais pas. Mmh. Bon, un petit peu. Mais ma grand-maman, mmh, ils me tiraient de tous les côtés. Car eux tous voulaient que je leur donne ma vie en échange de ce qu'ils m'offraient. Ma pauvre Tandide, c'est un drôle de rêve que tu as fait là. Et puis, tu devais être tiraillée vraiment de tous les côtés par tes amis. Oui, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'on essaie de s'emparer de mon cœur. Et Jésus aussi, je pense. C'est bien possible. Mais n'oublie jamais, Jésus, il t'aime. Oui, je sais. Bon, je vais monter me préparer histoire de d'être prête avant que Christiane arrive. Mais tu sais, grand-maman, oui, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as toujours les beaux mots pour me rassurer et cette paix constante aussi. Merci d'exister. Oh, t'es gentille. Seigneur Jésus, je lui parle tellement de toi. Elle sait qui tu es et elle sait qu'est-ce que tu as fait pour elle. J'aimerais tellement qu'elle place sa confiance en toi. Et tu sais, je l'aime tellement, mais toi, tu l'aimes encore plus. J'aimerais tant qu'elle trouve la paix en toi. Bonjour, bonjour. Oh, bonjour Christiane, comment ça va? Ça va, mamie, et toi? Mais ça va bien, mais installe-toi. Oh non, merci, je viens juste chercher Candide, est-ce qu'elle est prête? Ah ben, je pense qu'elle va prendre un peu de temps, je te conseille de t'installer. Non, c'est correct, mamie. D'accord, bon, ben, je vais l'appeler. D'accord. Candide, Christiane est arrivée. Encore 5 minutes, s'il vous plaît, ça sera pas long. Alors, comme ça, tu as décidé de ne pas travailler aujourd'hui? Oui, en fait, mamie, on a engagé un nouveau serveur au café-resto et ça m'a permis de prendre la journée, donc. OK. Oui. Donc, en fait, tu t'es décidée à prendre des vacances cette année, alors? Oui, mamie. Tu sais, mon travail de gérante me prenait vraiment beaucoup de mon temps au point où je n'en avais pas assez pour moi. Donc, ouais, j'en avais besoin. Viens, viens, il faut vite que je te parle d'accord, de quelque chose d'important. Tiens. Merci, ma chérie. Je t'en prie. Tu sais, hein, mm-hmm, Candide, elle est vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui. OK, oui, pourquoi? Elle a fait un cauchemar, puis ses amis lui demandaient sa vie, et puis même moi, j'y étais, tu sais. Oh. Puis je lui parlais de Jésus. Intéressant. Oui, tu sais que j'ai pris beaucoup pour elle, hein. Oui, je comprends, amie, mais tu sais bien que Jésus ne force personne à lui donner sa vie ou à lui faire confiance. Je sais bien, mais tu sais, j'aimerais bien qu'il s'y prenne autrement avec elle. Mais mamie, sois pas découragée, OK? Non, je suis pas découragée, mais je suis juste un peu impatiente. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Mais Jay fait les choses en son temps, mamie. Oui, c'est sûr. Ouais. Oh.
Mais parlons de ça quand même aussi, juste pour te donner des nouvelles. Mes parents vont bien, oui. Tout se passe bien. Je sais que tu ne les as pas vus depuis longtemps, mais oui, ça va vrai. À merveille avec les oh, parents. Super. Ouais. Ah, super. Je suis trop contente. Et puis ton travail, ça va bien aussi. Ça se passe bien, ton nouveau oui, travail. Oui, surtout qu'avec le nouveau serveur, j'ai moins de tâches, j'ai moins de choses à faire. Donc là, ça va. Ouais. C'est un peu plus relax, j'ai un peu plus de temps pour moi. Oui. Tu vois, comme là, je peux sortir, oui. Surtout pendant les périodes de fête. Oh, ça, c'est bon, ça. Mm-hmm. Est-ce que tu ne voulais pas un café? Mais non, non. Mais ça va, j'en ai fait. Oh. Merci, ma chérie. Ouais, donc c'est ça. Et à part par rapport à ça, la soirée de Noël et tout, est-ce que tu en as parlé à Candide? Si, si, je lui ai proposé qu'on y aille, bien sûr. OK. Normalement, elle devrait y aller. Normalement? Oh, oui. Elle ne t'a pas donné de réponse? Pas encore. OK, mais ouais. Tu continues de croiser les doigts. Hein? Oh, oui, c'est hey, ça. Hé, mais si c'est pas Christian! Hé, hey, ma belle. Alors? Ah, je suis désolée de t'avoir fait attendre. Oh, pensais, non. C'était pas trop long. Hein? Non, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je sais pas, décide. Ok, si tu sais pas, je décide. Bon, on va au centre-ville, faire les magasins, et si on a assez de temps, on se prend un bon repas dans notre resto-fabri. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, ouais, je hein? dis oui. Uh-huh. Mais par la suite, on va devoir passer au café-resto, voir comment Thomas se débrouille, d'accord? Pas de problème. D'accord. Ah, on y va? On y va, ok? Ok. Bye, grand-maman! Bye, mamie! Amusez-vous bien. D'accord. Oui. Allez bien, Christiane, on y va. Bye. Qu'il est magnifique le sapin, hein? Waouh! Mais regarde la robe par contre, je crois qu'elle est tirée à merveille. Elle est super belle, hein? Ouais, elle est pas mal, j'avoue, mais tu sais, au niveau budget, c'est un peu serré. Mais regarde le beau collier en diamant juste là, il est tiré à merveille, je suis sûre. Mmh. C'est vrai qu'il est beau, mais tu viens de parler du budget, hein? Ça nous concerne toutes les deux, tu sais. Ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais les lumières sont, par contre, magnifiques, tu sais. Ah, ouais, tu rêverais d'avoir ce genre de déco chez toi. Ouais, ouais. Mais ça tombe bien, c'est Noël, tu peux toujours me les offrir. C'est bien de rêver, mon ami. Viens, allons au restaurant comme on s'en est ouais, dit. Ouais, de peur de faire des gaffes. Bonjour. Bonjour, c'est pour combien? Deux personnes. Suivez-moi. D'accord. Merci. Je vous emmène à votre état. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être hôtes d'un spectacle gospel. Oh, oh wow, magnifique. Voici votre table. Merci. Qu'est-ce que je peux vous servir? On prendra le spécial du jour, s'il vous plaît. Très bien, je vous reviens. Thank you.
exercice Deo. Je t'aime, Seigneur.
Sainte nuit, Amen.
aussi. Ah oui, ça se dit, waouh. Tout allait bien pour vous? Quelque chose d'autre avec ça? Non, merci, Adat, c'est parfait. Le concert était waouh. Oui, c'était très bon. Ainsi que la musique, waouh. J'ai trop aimé. Ça me fait vraiment plaisir de vous entendre dire ça. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Alors, ma belle, dis-moi, comment ça va ces jours-ci? Je te dirais que ça va en général, sauf que j'ai fait un étrange rêve la nuit dernière. Ok. À quel point étrange? Tu veux m'en parler? Ben, c'était un cauchemar intense. Ok, ah bon? Je t'explique. Ok. Waouh, je comprends pourquoi cela t'affecte autant, mais c'est intense. La connaissance, le plaisir, la richesse. Oh, le pire dans cette histoire, c'est qu'ils me tiraient de tous les côtés parce qu'ils voulaient tous que je leur donne ma vie. Oh, attends, leur as-tu donné ta vie? Bien sûr que non. Ok. Il y avait ma grand-mère aussi, elle parlait de Jésus, mais personne ne l'écoutait. Ensuite? Elle a fini par disparaître et c'est elle qui m'a réveillée de cet horrible cauchemar parce que je criais. Mais c'est vraiment troublant. Mais tu sais, quand j'y pense, mon rêve dit vrai. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, je me sens comme ça, tirée de tous les côtés. Comment ça? Ben, tu prends par exemple ma grand-mère. Quand elle me parle de Jésus, j'ai vraiment envie de la croire. J'ai l'impression qu'elle dit vrai. Mais d'un autre côté, je suis jeune et je ne vais pas me vouer à une vie triste et austère. Attends. Tu penses vraiment que grand-maman vit une vie triste et sans goût quand même? Non, pas nécessairement. Okay. Mais je trouve qu'avec Jésus, il y a trop de règles et moi, je veux être libre. Okay. Je l'entends ton argument, mais... ce que tu décris, c'est purement de la religiosité. Je ne pense pas qu'en te parlant de Jésus, l'objectif de grand-maman soit de faire de toi une bonne nonne. Non. Au contraire, elle souhaiterait juste que tu rentres en relation avec lui et que tu découvres réellement qui il est. Tu sais? Si tu le dis. Écoute, ça va faire 5 ans que toi et moi, on est BFF. M'as-tu déjà vu être monotone ou triste dans ma façon de voir la vie ou ma mentalité? Non, pas nécessairement. Merci. Et pourtant, tu le sais bien, comme grand-maman, je crois en Jésus. C'est vrai. Ma chère, tout ça c'est pour te dire quoi? J'ai vu et j'ai goûté combien il est bon ce Jésus et je peux te le garantir. Il nous rend libres, plus épanouis, nous donne une paix que personne ici-bas ne saurait nous procurer. Bref, tu ne perds rien à essayer de le connaître. Tu ferais toi-même ta propre idée. Ouais. Oh, je sais que c'est troublant. Mais, anyway, peu importe le choix que tu fais, sache que tu seras toujours mon ami, OK? Et malgré le tas de choses qui te travaillent présentement, je crois que Jésus essaie juste de te dire qu'il est là pour toi et qu'il peut te donner bien plus que ce que tu ne saurais poursuivre ici sur terre. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Merci d'être là dans ces moments avec moi et de m'écouter et de partager ton opinion. Je t'en prie, ma belle. Je suis là pour toi, OK? Allez, je reviens. Je fais un tour rapide à la salle d'eau. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh oh, Jésus, c'est encore moi. Tu sais, hier, quand je t'ai dit « on se reparle », ben me voilà. Tu sais, j'y réfléchis.
Et voyant comment tu as essayé de me parler au travers de mon rêve, je veux bien te laisser ta chance. Tu sais, je ne réalisais pas tout l'amour que tu me portais à cause de mes mauvais raisonnements. Je marchais sur un chemin où je faisais ce que je voulais et qui, en quelque part, m'éloignait de ta vérité, de ton cœur aimant. Mais aujourd'hui, je veux faire demi-tour et comme grand-maman et Christiane m'encourage, je viens vers toi, je veux te faire confiance. Bien qu'encore sceptique sur ton existence et tout ceci, je te donne mon cœur et toi en échange, aide-moi à te connaître. Je ne peux reculer, je suis venue déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai décidé d'avancer. Oh, quel beau moment passé avec toi, ma liberté, je l'ai trouvée en toi. Tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venue déclarer que le passé est passé en lui. Toutes les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Oh, ressuscité avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venue déclarer que le passé est passé en lui. Toutes les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venue déclarer que le passé est passé en lui. Toutes les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Avancer.
J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Toutes les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Wow. Merci Jésus. Ça va? Apaisé? Oui, ça va. Okay. Merci de demander. Je me sens beaucoup plus calme. Je t'en prie. Tu sais que tu es mon amie et ce qui t'affecte, m'affecte aussi. Ça te dit qu'on bouge? Oui. Allons-y. Allons-y. Là. Bonjour, qu'est-ce que je vous avais? Bonjour, Justin, tu prends quoi? Café noir, s'il vous plaît. Très fort. Moi, ça va être une tisane à la menthe, s'il vous plaît. OK. Tu sais, Justin, les études démontrent que le café, là, c'est pas bon pour la santé, puis c'est surtout pas bon pour tes nerfs. Cher Manuel, toujours aussi attentionné, hein? J'ai des journées exténuantes. Où veux-tu que je me trouve l'énergie qu'il me faut? Hein? As-tu déjà pensé à la méditation transcendantale? Et puis, je connais quelques techniques de relaxation qui te feraient le plus grand bien. Je n'ai pas le temps de méditer, ni de relaxer. Tu le sais bien. Tiens, qu'est-ce que tu lis? Ah ça, les extraterrestres et la gestion du stress.
C'est vraiment intéressant. Je suis certain que t'aimerais ça. Accrocheur comme titre. Je suis épuisée. Il y avait tellement de monde sur la route, mais quel trafic! Attends, tu as soif comme moi? Oh oui, ça tu l'as dit, j'ai soif. Ok, qu'est-ce que je prendrai à boire? Un verre de limonade. D'accord. Thomas? Bonjour. Bonjour Thomas, ça se passe bien ici? Tout se passe bien à date. Qu'est-ce que je peux vous servir? Ravie de savoir que tout se passe bien, premièrement. Je viens te voir tantôt. Et enfin, mon ami et moi, on prendrait deux verres de limonade canadienne, s'il te plaît. Ok. Merci. Eh bien, dis donc, tu m'avais pas dit que ton collègue, il était charmant. Il a l'air en plus super dynamique. Yo, le film était Wakanda. Wakanda forever, c'était bon le film. Mais oui, t'as vu les images? Les effets sonores. Le décor et tout. Oui, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand l'acteur principal... Non, non, c'est pas tout le monde qui a vu le film. Faut pas spoiler, là. Il y a du monde dans le restaurant qui l'ont pas vu. Ok, ma belle. Ça va, Candy? Qu'est-ce qui se passe? Tu as soudain une drôle de tête. Mais tu vois les trois qui viennent de rentrer? Ok. C'est les fameux amis de mon étrange rêve de la nuit dernière. Ok. Tu es correct? Est-ce que tu veux qu'on s'en aille? Non, ça va. Je suis correct. Je peux attendre le temps que tu finisses avec Thomas. De toutes les façons, je les connais tellement bien qu'une fois ils me verront, ils vont se jeter sur moi. Tu n'exagères pas un peu, là? Peut-être un peu. D'accord. Ok, donne-moi juste un instant, je reviens, ok? Oh! Zut! Les deux autres sont là, eux aussi! Ah, oh, mais on dirait que ce café-resto est le lieu de rencontre de presque toute la communauté étudiante! Vous avez-vous vu? C'est Emmanuel et Justin! Hey, oh, Emmanuel et Justin! Ok, cool! Allô? Oh ben, t'es pas fatable! Venez! Elle est lourde, hein? Un, deux, trois... Toujours moi qui fais tout ici. Cher Emmanuel, toujours dans tes bouquins bizarres, qu'est-ce que tu nous lis aujourd'hui? Ah ça, c'est un livre de Vladimir Ouskanovitch. Ouais. Mm-hmm. C'est beau l'instruction, tu vas aller loin dans la vie, mon gars, hein? C'est ce qu'on m'a toujours dit. Ouais, attendez. Ouh, Justin, ici la terre. Nous sommes là. Hello. Ah. Salut. Désolé, guys. Je suis en train de lire un truc intéressant. Mm-hmm. Avez-vous appris la dernière? Non. On m'a demandé d'être le président d'honneur des fêtes du 50e anniversaire de la maison du père. Oh, wow. Félicitations. Ouais. Super. Tu as accepté? Non, en fait, je n'ai pas encore dit ma réponse. Je suis pas mal occupé ces temps-ci, ouais. Et Noël approche, et bon, voilà. Ok, on respecte ça. Hé, hey, la gang! C'est Candide! Mais oui, t'es c'est sûr? Candide! Je crois pas. Attendez, je reviens! Je suis pas sûr. Candide? Salut, Candide! Comment ça va? Je suis contente de te voir. Ah, Gloria! Quelle surprise! Je m'attendais pas à te voir non plus ici. Écoute, il faut que je te parle, là. Les copains puis moi, tantôt, on se parlait. Je suis en train de reviser la liste que j'organise un super de beau réveillon en l'absence de mes parents. Ah, puis t'es dans ma liste d'invités, puis je t'invite. Alors, au menu, il va y avoir un super de beau gars que je vais te présenter. Ah, OK. Mais avant, j'ai besoin de savoir, t'es célibataire, genre, t'as personne dans ta vie? Non, pourquoi? C'est ça que je pensais! Écoute, il est super beau, il est super populaire. Ah, wow. Il fait sa résidence en médecine. En médecine? Il connaît plein de monde. Il y a plein d'abonnés sur Instagram. Vraiment, tout le monde le connaît. Puis, qui sait, peut-être qu'il pourrait te montrer un meilleur travail plus intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que je lui plairais? C'est sûr. C'est quelle date déjà encore? Vendredi le 23 décembre à 8h. Oh, ouf, le 23 décembre, ça risque de pas trop marcher pour moi. J'ai déjà quelque chose de prévu. Pour de vrai? Sérieux, là? Moi, j'en profiterais pour faire plein d'expériences, vivre la vie, puis tout ça, puis tout ça, puis tout ça, puis toi, tu veux pas déplacer ton rendez-vous, genre, je te pensais ouverte d'esprit, là. Je comprends, Gloria, mais non, c'est vraiment important pour moi et je peux pas le déplacer, mon rendez-vous.
donc elle ne déplacera pas son rendez-vous. Hé, hey, la gang! Ouais. Vous savez pas quoi? Elle a déjà un rendez-vous, elle peut pas venir. Quoi? Ben oui. Pour de vrai? Pour de vrai, ma chère. Excuse-moi, là. Mais t'es sérieuse? Très sérieuse, ça. Annule ton vieux rendez-vous, là. Puis viens avec nous. Je pense que tu réalises pas la chance que Gloria nous donne de rencontrer des gars qui sont loadés, ma fille! Écoute, là, OK? Le gars qu'elle va te présenter, il est riche. Est-ce que tu lui as dit, Gloria? Est-ce que oui, tu l'as dit? Super beau, super populaire. Il pourrait payer toutes tes dépenses, t'offrir des beaux cadeaux. Puis grâce à son réseau, il pourrait te trouver une meilleure job. Tu sais que t'es pas riche, là. Quoi? Viens te déhancher, oh yeah. Ce soir on va danser, oh yeah. On veut juste s'amuser, oh yeah. Fini de déprimer, oh yeah. Oh ouais, yeah. On fait la fête, la fête, la fête. On se fait belle, oui, pour la fête. La fête, on apprécie chaque instant de la fête. La fête, quitte à devenir saoul dans la fête, en fait. Suis le rythme, la fiesta nous appelle. T'inquiète, on va qu'avec l'élite en VIP, c'est clair. On va ouvrir la place, it's party time. Rhum, tequila, vodka, ce sera la vida loca. La vida loca. With my girls, la vida loca. With my boys, la vida loca. With my gang, la vida loca. On fait la fête, la fête, la fête. On se fait belle, oui, pour la fête. La fête, on apprécie chaque instant de la fête. La fête, quitte à devenir sourd de la fête, en fait. Woo! Fille, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as-tu compris, là? Écoutez, les filles, ça va paraître peut-être limite insensé ce que j'ai pu dire. Mais non, je passe mon tour. Quoi? Par rapport? Ben oui, je vous l'avais dit. Ces gens de monde en été là, c'est pas son fort. Et vous le savez très bien. Moi, Johnny, je sais ce qu'elle aime. Parce qu'elle et moi, on se ressemble beaucoup. Ce qu'elle aime, là, c'est un temps de qualité avec des gens qu'elle apprécie beaucoup. Autour de bons plats de nourriture. Ouais. Hein? Avec une bonne atmosphère, n'est-ce pas, Candide? C'est tellement ça, t'as décrit. Moi, exactement. C'est ma foi. Tout ce que j'ai dit. C'est vrai que par moments, on a les mêmes sens d'intérêt. Hein? Ah non, je sais. Écoute, les pains, ça, c'est pas de quoi les pains. Écoute, check ça, la semaine prochaine, vendredi à 18h. Mm. Party de Noël. Devine qui l'organise. C'est toi, Johnny. That's it. C'est moi. Guess what? Il y aura la nourriture, la musique. Et la boisson, il y aura même des nouvelles personnes, si tu vois ce que je veux dire, pour faire des contacts, you know? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Yeah! Écoute, c'est une très belle initiative que tu as là, vraiment. Je sais. Et merci de l'invitation. Mais non, ce Noël, je veux le célébrer de manière différente. Non? Ok, ok, je comprends. Mais quand tu dis différent, tu penses faire quoi? En fait, j'ai réalisé que le vrai sens de Noël, c'était plus que festoyer avec des amis. Ou d'offrir des cadeaux. Noël, c'est un rappel que Jésus est venu sur cette terre et a donné sa vie pour moi et pour vous aussi. Il a quitté ce qu'il avait de plus précieux, son père. Il a vécu ici-bas comme un homme ordinaire. Il a donné sa vie, il est mort sur une croix, et ce dans le but de frayer un chemin afin que nous puissions, vous et moi, avoir une relation avec Dieu, son Père. OK. Écoute, mon ami, ce Noël-là, je veux avoir un temps de qualité avec ma mamie, mais surtout, je veux célébrer Jésus. Wow, wow, wow. Aïe. Candide, est-ce que ça va? Oui. Depuis quand ça t'intéresse, la religion? Dis-moi pas que t'es rentré dans une secte religieuse. Non, c'est pas ça la passe. Il est pas en train de rentrer dans une secte. Il est en train de changer de carrière. Quoi? Imagine-toi que notre candidate nationale a décidé qu'elle voulait être l'adjointe administrative du pape, ni plus ni moins. Ah ouais. Puis elle s'est dit que si elle était plus catholique que le pape, il pourrait pas dire non. Oh, Saint Candide, priez pour nous. Johnny! Non, attends.
tu vois, le sujet est vraiment important. Fait que ton vieux carcasse, tu peux le garder pour toi. Et il se peut qu'en ce moment, notre ami soit manipulé. C'est ça que je pensais. Depuis que je connais Candide, elle n'a jamais réagi de même. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui la manipule. Mes amis, non, non, je ne pense pas qu'elle soit manipulée, là. Elle n'a pas le profil pour une secte, surtout avec son côté « je ne fais qu'à ma tête ». C'est ça. Je ne fais qu'à ma tête. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est toi qui as raison, ma belle Candide. La véritable quête du bonheur est celle où on se donne à des choses qui durent, hein? Des choses spirituelles. Voilà pourquoi à Noël, je fais toujours des dons à des organismes de bienfaisance. Écoutez, les amis, je ne suis ni dans une secte, ni manipulée, et ni en quête du bonheur. J'ai juste décidé de me faire mon idée de Jésus et de vouloir le célébrer. Non, moi, je m'en vais, là. Je suis pas capable. Non, j'en désolé. J'en ai assez entendu. Moi aussi, je m'en Johnny, vais. Johnny, attends. Bye-bye. Attends-moi, Johnny. Gloria! Capable. Justin, pas toi non plus. Hey, attendez-moi. Laisse faire. Parce que comment on passe, c'est pas que vous m'avez parlé. Voyons. Candide. Ça va? Pourquoi s'en vont-ils tous? On dirait que j'ai manqué un bout. Moi, ça va, mais... Okay. Mes amis, non. OK, tu m'expliques, s'il te plaît? Sois patiente. Dans le fond, ils m'ont proposé un tas d'activités et j'ai décliné en leur faisant comprendre que je voulais célébrer Jésus. OK, attends. J'ai pas bien entendu. Tu peux répéter, célébrer qui? Jésus. Oh, franchement, je suis vraiment contente d'entendre ça et j'en connais une qui sera vraiment heureuse à l'apprendre.
Hey, salut Candide, j'espère que ça va bien. Oui, ça va très bien. Écoute, je suis tellement contente que tu m'appelles parce que depuis la dernière fois au café-resto, j'ai pas eu de nouvelles de personne. Ouais, c'est vrai que la dernière fois, on s'est quitté en queue de poisson, hein. Mais je tenais à prendre tes nouvelles. Dommage que personne d'autre ne t'ait appelé, mais bon, c'est la vie. Ah, ça tu l'as dit, c'est la vie. Mais je veux quand même essayer d'appeler Désirée ou Gloria cette semaine, histoire de faire un pas vers elle. Oh, excellente idée. Bon, je ne sais pas si tu étais au courant, mais Gloria a dû annuler l'activité qu'elle organisait. Ses parents sont rentrés plus tôt que prévu de leur voyage. Oh non, mais c'est bien ouais. Dommage tout ça. Heureusement que je n'avais pas annulé mon rendez-vous. Oh, puis Désirée qui misait tout sur cette soirée a dû vraiment être déçue. Ouais, ouais. Oh. Puis dans cette même dynamique, Johnny a dû également annuler la soirée qu'il organisait. Apparemment, ton assurance et tes propos le poussent énormément à se questionner sur le sens de la vie. J'espère qu'il ne fait pas une dépression ou qu'il ne s'isole pas, hein? Non, il va très bien. On se parle assez souvent. Mais toi, tu fais quoi présentement? Je suis en train de me préparer parce que moi et ma grand-mère et une amie, nous sortons ce soir pour aller voir le réveillon de Noël à notre église et ensuite, après ça, nous irons voir les feux d'artifice. Oh, pourquoi? Trop bien. Écoute, est-ce que ça te dérangerait si je me joins à vous? L'activité dans laquelle je fais partie dans cette période de l'année a aussi été annulée, donc... Hey, tu veux venir? Ouais. Mais oui, ça serait une bonne idée. Écoute, d'ailleurs, les places sont gratuites, donc tu peux nous rejoindre à l'église sur Maisonneuve-Papineau dès 20h. D'accord, pas de problème, j'y serai. Et s'il te plaît, ne sois pas en retard, hein. Je me sentirais mal à l'aise d'être tout seul devant tous ces gens. Merci.
Oui, t'en fais pas. Donc, on se voit tout à l'heure. Bye bye! À tout. Oh, grand-maman, grand-maman, viens, assis-toi, il faut que je te raconte quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas à quel point Jésus est tellement bon. Plus fidèle, il n'y en a pas. Mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui te rend si heureuse. Bon, tu te rappelles quand je suis partie au café-resto rejoindre mes amis et que ça s'est mal terminé, oui, suite à ça? Oui, tu m'avais raconté après ton resto-café. Figure-toi que un de mes amis vient de m'appeler et il veut venir avec nous au réveillon. Waouh, ben Dieu peut changer le cœur de quiconque, n'est-ce pas? Oui. Bon, grand-maman, comment tu me trouves? Oh, mais t'es super belle, moi, je trouve. Ah, merci. Donc, grand-maman, est-ce que tu es prête? Parce que j'aimerais ça qu'on arrive un peu plus tôt, histoire de rejoindre Justin puis Christiane. Ben c'est ça, on peut y aller, là. D'accord, on y va. Par ici, Christiane, hey. Nous sommes là. Hello, hello, hey. Vous êtes toutes belles. Oh, Candide, franchement, c'est magnifique. Grand maman, toutes belles. Oui, merci. Mais toi aussi, t'as une belle coiffure, n'est-ce pas? Wow. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Vraiment, wow, tu es magnifique. Oh ouais, merci. Oh wow. Ça va, on t'a pas trop fait attendre? Non, pas vraiment. Je suis arrivée quasiment en même temps que vous, donc c'est ça, mais ça va. Mais je suis juste excitée de le faire avec toi et j'ai juste hâte que ça commence, là. Et moi donc? Ah, d'ailleurs, j'ai un scoop pour toi. Mes enfants, je vais m'installer, hein, je vais y aller. Okay, d'accord, mamie. Vraiment. Mais est-ce qu'on n'allait pas avec toi? Non, Christiane, je peux pas rentrer encore, j'attends encore une autre personne. Attends-toi, mamie. Attends-toi. OK. Une autre personne qui... C'est ça, mon scoop, d'ailleurs. OK. Tu sais, tu te rappelles de Justin, mon ami, qui était là au café-resto la dernière fois? Vaguement. Tu sais, je connais pas trop les noms de tes amis. Hein. Bon. Ben, dans le fond, il m'a appelé il y a 2 heures pour prendre de mes nouvelles suite à l'incident. OK. C'est vraiment gentil de sa part, mais... ça m'explique toujours pas comment il fait pour se joindre à nous. Attends un peu, je vais t'expliquer. OK. Donc, il m'a expliqué que ce qu'il avait de prévu ce soir a été annulé et que, comme il ne voulait pas célébrer le réveillon tout seul, il m'a demandé s'il pouvait venir avec nous et j'ai accepté avec empressement. OK, là, je comprends mieux, mais c'est vraiment gentil et tout. Ouais. Franchement, avec tout ça, je sens que cette soirée nous réserve de belles surprises. Hein? Ah, oui, ça tu l'as dit. Ouais. Wow. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes tous là. Oh, mon Dieu. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Finalement, j'ai invité tout le monde parce que je ne voulais pas que chacun passe le réveillon de leur bord. Donc j'espère que c'est correct avec toi. Mais oui, c'est correct. Je suis juste sans voix parce que je m'attendais pas à ça et j'arrive pas à y croire que t'as rassemblé tout le monde. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse me faire. Venez dans mes bras, mes amis. Allez, la gang, je ne vais pas gâcher vos retrouvailles, mais il va falloir qu'on aille si on ne veut pas rater le début, OK? Ah ouais, okay. Allons-y, s'il vous plaît.
va bien! Yes! Alors, on est ici, le réveillon de Noël, pour célébrer notre Seigneur Jésus qui est venu sur terre pour nous montrer le chemin de l'amour et on veut le célébrer avec tout notre cœur. Ce soir, je vous invite de louer avec nous aussi. Alors, si vous voulez bien vous lever, c'est le temps de chanter, c'est le temps de danser. Avec nous, ça va être une bonne célébration. Amen! Woo! On peut commencer par taper les mains. Yes! Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Woo! Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je veux vous entendre. Et je chante car tu es bon et je danse car je veux entendre un bon cri et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. D'un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Ok, un petit moment pour danser, tout le monde. Woo! Yeah! Oh yeah! Woo! Yeah.
Vous êtes réveillés? On va chanter notre Dieu. On croit en un Dieu qui est venu sur cette terre et qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est le message qu'on va passer à travers ce chant qui s'appelle « Car Dieu a tant aimé le monde ». Alors, on vous invite à chanter avec nous. Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes en train de taper les mains? Je vous vois pas, je vous entends pas assez. Est-ce que vous êtes vivant là-dedans? Oui? All right. Yes. Vous êtes nos instruments. Comme nos instruments nous a abandonnés, c'est vous. Let's go, let's go. Oh. Un autre groupe. On va chanter. OK, on a un beau DJ derrière nous. Yeah, tous ensemble. Chanter, chanter,
la croix, oui, Dieu a tant, tant aimé le monde. Amen, amen, amen. On a encore un dernier chant pour vous. Est-ce que vous allez devoir bouger? Je ne sais pas si vous avez chaud autant que nous, mais je veux vous continuer à danser puis vous continuer à taper des mains. C'est bon? Avec moi, tout le monde. Tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles. Comparable au Dieu, au Dieu. Tu transformes. Il n'y a personne comme Jésus.
Tu es grand, chantons-le combien. Tu es grand, et tous verront combien. J'ai jamais pensé qu'aller à l'église était aussi cool. Ouais. Ouais. Yo, ils ont ouvert! Tellement! Ouvert seulement? Yo, le band était A1, la chorale? Wouah! Yo, ils m'ont écrit à Broadway! Oh. Et j'en ai toujours dans l'hyperbole. Il fait bon, pas tant que ça quand même, là. Ouais, guys, c'était peut-être pas Broadway, mais il y a des gens qui nous ont donné du frisson quand même. Ouais, oui. Ça, ouais. Mais moi, je suis surtout émue de vous voir passer ce moment ensemble, surtout après l'épisode du Café Resto. Oui. Ouais, vraiment, ça, tu l'as dit, vous devriez. C'est un beau réveillon, puis en plus, ça m'a vraiment apaisée. Je pense qu'on devrait se faire des soirées plus souvent comme celle-là, hein? Ouais, ouais, ouais. Super tendre. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça. Ça me fait chaud au cœur. J'ai le goût de vous prendre en photo comme ça. Oh, photo, ah, oui, oui. 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 Gloria. Petite photo. Oui. T'as laissé moi être un peu. Allez, on se rassemble. Sourire. Good. Yeah. Je veux voir. Oh, on est beau! Wow. Wow. On prend une photo avec les amis ou quoi? Ah, ben oui! Oui, oui. On va essayer. Les amis, levez-vous avec nous! On se lève tout le monde, s'il vous plaît, levez-vous! Oh, allez, 2, 3, go! Ouais! C'est cool! Trop bien! Wow. En tout cas, vraiment là! On peut le voir? Tu veux tout voir les photos, hein? C'est vrai, c'est beau! Nice. Ouais, ouais, un beau public, hein? Vous savez... Le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir ce Noël, c'est de laisser votre cœur célébrer Jésus! Wow! Yeah! Yes! Wow! Ciao! Ah, wow, c'était bon, non?
Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît? Toute l'équipe qui a travaillé fort. All right. Je vous demandais de féliciter à côté de vous la personne qui a pris le temps de venir ce soir. Dites-lui, t'as fait le bon choix. All right. Et vous êtes vraiment beau à voir, les amis. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus de loin. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude d'être dans une église un dimanche après-midi? Il y en a quelques-uns. Je sais qu'il y a un groupe qui est venu d'aussi loin que du lac Saint-Jean. Machtechouache, pour être plus précis, je vous salue. Ils sont au milieu, peut-être? All right. Ils ont conduit loin pour venir à Gospelville. Vous savez, peu de choses dans la vie d'une personne ont autant d'importance que le cœur. Très peu de choses. D'ailleurs, le cœur est si important que de lui viennent les sources de la vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est dans la Bible. Contrairement à ce qu'on peut penser ou croire parfois, vous savez, l'être humain n'est pas un être tout à fait rationnel. Évidemment, nous sommes des êtres de raison, c'est-à-dire qu'on a la faculté de raisonner, de penser, de réfléchir et tout ça, mais on est surtout des êtres de cœur. C'est vrai ou pas? Ça veut dire que peu importe ce que dira la raison, la trajectoire que prendra ma vie va dépendre essentiellement de ce qu'il y a dans mon cœur. Quand j'aime, c'est avec le cœur. Quand je me mets en colère, quand je suis déçu, jaloux ou plein d'espoir, c'est dans le cœur que ça se passe. Ça, c'est dans le cœur. Et quand on est conscient de l'importance du cœur, eh bien, on fait attention à ce qu'on fait avec, à qui on le donne et qu'est-ce qu'on laisse entrer dedans. Peux-tu dire à ton voisin un instant, ton cœur est très important, fais attention à ce que tu fais avec. Ton cœur est précieux. Et le cœur est si précieux que quand Dieu veut rentrer en relation avec une personne, il ne regarde pas dans son CV, il ne va pas voir sa page Facebook, il ne regarde pas non plus dans son cerveau ou dans son portefeuille. Dieu regarde, il veut voir ce qu'il y a dans le cœur de cette personne-là. Et parmi les choses que Dieu cherche à voir dans le cœur, ce qu'il espère trouver, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Ces ingrédients-là rendent la vie plus belle, plus goûteuse. Et elle rend la vie aussi plus à l'image de l'idéal de Dieu pour nous. Est-ce qu'il y a dans mon cœur ne serait-ce qu'un tout petit peu de foi, d'espérance et d'amour? Il y a une scène dans la pièce qui m'a vraiment parlé, ça m'a touché. Vers l'âge de 16 ans, je sais qu'il y a des parents qui vont être un peu peut-être choqués de ce que je vais dire, mais vers l'âge de 16 ans, moi, je sortais beaucoup. Très souvent. Il m'arrivait régulièrement de rentrer à la maison vers les petites heures de la nuit. Je ne vous dirai pas ce que je faisais dans les rues de Montréal la nuit à 16 ans, parce que ce n'est pas de vos affaires. Mais je peux vous dire que ça n'avait rien à voir avec Jésus. Je me rappelle un soir, alors que j'allais sortir, ma mère, elle m'a arrêté, elle m'a dit, parce qu'elle avait quand même une idée de ce que je faisais, OK? Et elle m'a dit, tu sais, j'aimerais vraiment là que ça change. Et j'aimerais que tu aimes Jésus. J'ai reconnu ma mère dans la grand-maman de la pièce. Et moi, j'ai répondu à ma mère, OK, ben oui, là. Et dans les semaines qui ont suivi, un ami à moi m'avait invité à l'église et j'ai été. Et le message m'avait beaucoup touché. Je me rappelle encore la prière que j'ai faite après avoir entendu ce message-là. J'ai dit, Seigneur, je sais que si je continue sur cette voie-là, ça risque de mal finir mon affaire. Mais j'ai essayé de changer, ça ne marche pas ça. Alors on va faire un deal. Si tu veux que je change, toi, change-moi. Et je suis parti comme ça. Et ça a pris quelques mois, et c'est ma petite sœur qui m'a fait réaliser que mon cœur avait changé. Et c'est là que j'ai réalisé que Dieu m'avait entendu. J'étais devenu gentil. Je vous invite cette année, ce Noël, à laisser Dieu remplir vos cœurs de foi, d'espérance et d'amour. Non seulement vous en avez besoin, mais le monde a besoin que vos cœurs soient remplis de ces ingrédients-là. Et je vous garantis que ça vous fera le plus grand bien.
Et tout le monde dit amen. Parlant de cœur, fidèle à notre tradition des 5 dernières années, le spectacle de Noël de Gospelville, c'est l'occasion pour nous de souligner le travail d'un organisme communautaire qui s'efforce de contribuer au bien des résidents du quartier Centre-Sud. Et non seulement on veut souligner leur contribution à la vie du quartier, de cette région, de ce bout de Montréal, mais on veut aussi les remercier et les encourager en leur faisant un cadeau de Noël, un cadeau de l'Église Gospelville, un don en argent dont la somme amassée, c'est grâce à des généreux donateurs de Gospelville, des membres et des amis de cette belle famille. Et je tiens mon nom personnel et au nom de la direction à remercier toutes celles et ceux qui ont fait un don, petit ou grand. Grâce à votre générosité, le monde, il est meilleur. Et cette année, Gospelville a choisi de soutenir l'organisme Le Carrefour Saint-Eusèbe. Le Carrefour Saint-Eusèbe œuvre auprès des 50 ans et plus dans la communauté. Ils font un travail très important. D'ailleurs, même à Gospelville, on a un département consacré aux 50 ans et plus qu'on appelle les persévérants. Et il se trouve que nous avons parmi nous la directrice générale du Carrefour Saint-Eusèbe, Madame Cécilia Lessard, que j'invite à me rejoindre sur l'estrade avec sa gang, sa petite équipe. Et je vous demande de les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. All right. Donc, je te cède la parole. Tu dis un petit mot? Oui, tu as le droit. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir, franchement. Pour nous, c'est vraiment un très grand honneur de pouvoir participer à un événement aussi précieux, de nous donner la chance d'être là. Donc, je m'appelle Cécilia Lessard, je suis la directrice générale. Il y a Michelle, qui est l'intervenante de milieu, qui est dans 4 HLM. Et nous avons 2 belles personnes avec nous qui sont des bénéficiaires du service. Donc, on est très heureux. Donc, notre organisation fait surtout tout ce qui est au niveau de briser l'isolement dans le quartier Ville-Marie. On sait que c'est des personnes vulnérables. Avec la pandémie, les gens se sont fragilisés davantage. Il y a eu vraiment beaucoup de problématiques. Les gens se sont devenus de plus en plus seuls et de plus en plus vraiment avec des problèmes financiers. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un service de popote roulante. On fait des activités à l'intérieur de notre organisation et on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention pour qu'ils aient de l'amour dans leur foyer et on cherche à multiplier les services pour pouvoir être de plus en plus auprès de cette population. Donc, merci à vous. Tous les dons vont vraiment servir à aider. On a livré 60 paniers de Noël cette année. On a envoyé 140 cartes vœux aussi. On a, présentement, on va livrer pour au-dessus de environ 340 plats de popote durant le temps des fêtes. Donc, tous ces dons-là vont nous aider à vraiment contribuer, mais surtout essayer d'être le plus présent auprès des personnes vulnérables. Merci. Madame Lessard, équipe, on a un petit cadeau pour vous. C'est notre cadeau de Noël. OK. Je ne sais pas si... Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, il y a un chèque qui va s'approcher. Il ne faut pas montrer le chiffre tout de suite, OK? 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 Donc, vous voulez savoir combien vous avez donné, les amis? Alors voilà, je vous présente ma chère et tendre épouse, Maglara Dazulma, accompagnée de Lindsay Nadine Benoît, directrice du département de musique de Gospelville. Et donc, Madame Lessard, en mon nom personnel, au nom de toute l'équipe de Gospelville, c'est avec plaisir que nous vous remettons, en remerciement du bon travail que vous faites dans la communauté, un beau chèque de 10 000 $. Ouais, ouais. Une photo? All right. Approchez-vous vers le milieu. On va poser, on va poser. Les photographes sont là, c'est bon? All right. Super. Oh.
pardon. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Vous avez vraiment pas une idée comment beaucoup de personnes, puis moi personnellement, je vois ces deux bénéficiaires, puis je sais à quelle joie ils viennent. Un dîner communautaire. Venir quelque part et ne pas manger seul, ça fait toute une différence. Moi qui suis en HLM, juste aller cogner et parler à quelqu'un parce que leur frères, leurs sœurs, leurs enfants sont avec une famille. Vraiment, la présence que nous faisons là et ce que vous nous permettez de pouvoir continuer à faire va aller beaucoup de l'avant. Merci beaucoup. Bon, elle repart pas avec le carton, évidemment, on va lui donner un vrai chèque, d'accord? Et donc, merci encore. J'ai quelques personnes à remercier, donc je ne vais pas oublier. OK. La pièce que vous avez vue aujourd'hui, originalement intitulée « Donne-moi ton cœur », a été écrite par Chantal Bilodeau-Legendre. Et pour les besoins de notre spectacle, elle a été adaptée par notre équipe, notamment Vanel Yonke, je ne sais pas s'il est là, Marie-Marthe Derival, Yann André, et Anna Chloric, Gunja, elle n'est pas là ce soir? D'accord. Merci, Vanel. Et je vais vous présenter les personnages. Super personnages. Donc, dans le rôle de renommée, Gloria, Sophie Perron. Dans le rôle de Candide, Michael Morin. Dans le rôle de grand-maman, Gladys Ponta. Dans le rôle de désiré ou richesse, Yves-Kéren Delannoy. Je vais me mettre là. Dans le rôle de Johnny ou monsieur plaisir, Andrés Centeno. Dans le rôle de Manuel ou connaissance, Claude Doucet. Dans le rôle de Justin ou Monsieur Bonnes Œuvres, Roch Compère. Dans le rôle de Christiane, Linda Simo. Dans le rôle de Janine ou la serveuse du restaurant, Alison Balima. Dans le rôle de Thomas, le serveur du café, Matteo Balima. Et donc voici, mesdames et messieurs, vos acteurs pour ce soir. Ouais. Donc, on félicite les acteurs et on est aussi conscient que tout le travail qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait seuls. Okay? Il y a une grande équipe derrière. Notamment, je veux aussi vous présenter, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui a joué le rôle de coordonnatrice, qui a été une coordonnatrice pour tout cet événement, Maglara D'Azulma. OK. Et je vais aussi inviter Lindsay Nadine Benoît qui, en qualité de responsable du département de musique de Gospelvie, a aussi chapeauté l'événement. Vous avez également remarqué, vos oreilles en tout cas, les musiciens qui ont joué sous la direction de Jose Isaac. Donc vous avez James Bien-Aimé, William Jean-François qui sont à l'arrière. À la technique aussi, responsable des techniciens de son, Michael Bastrache, Jonas Chaperon, les caméras, caméraman, photographe. Et aussi, on a eu recours au service d'une personne
une douce personne qui a aidé les acteurs dans leur jeu, Marilou Belugou. Et évidemment, on a aussi eu le plaisir d'entendre l'équipe de musique Gospel Vie qui ont fait un... qui nous ont transportés en louange. Donc, je tiens personnellement à dire que je suis fier de vous, guys. Je suis fier de l'équipe. Et je suis content que vous soyez venus, les amis. Vraiment là. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien en masse ce Noël. Est-ce que vous voulez un dernier chant ou on rentre à la maison tout de suite? Hein? Vous avez un autre chant dans le ventre, mesdames? All right. Donc, je vous cède la place. Levons-nous. On va chanter un dernier chant. Et après ça, la mauvaise nouvelle, ce sera que ben, faut rentrer chez vous. All right? Dernière chose, avant qu'on chante. C'est aussi possible de faire des dons si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire ou si vous avez envie de faire un deuxième petit don. C'est jamais trop tard pour faire un don, n'est-ce pas? Amen à ça, hein? Jamais trop tard. Donc, vous pouvez encore le faire et on va l'ajouter au chèque qu'on a présenté ce soir et Dieu vous le rendra, les amis. Alors, bonne soirée à tous. Je vous laisse avec l'équipe de louange. Que Dieu vous bénisse. Avec paix.
aussi.